Sable d'Olonne, la descente de l'Atlantique, là. Et maintenant, on va contourner l'anticlone de Sainte-Hélène qui est ici. Avant, mettre le clignotant à gauche pour viser le cap de Bonne-Espérance. Je passe pas mal de temps ici parce qu'il faut décider comment contourner cette fameuse anticlone Sainte-Hélène. Comment rentrer le plus vite l'altitude. C'est pas évident et je pense que les premiers ils vont pas prendre le même, ils vont prendre la route plus courte et nous on sera obligé d'aller un peu plus rallonger un peu la route sinon on va être bloqué dans une zone sans vent. Je travaille pas mal ici avec les tâches le météo. Le photo pour le bateau il avance, je suis seule. Bonne journée à tout le monde, à bientôt. On passe dans une petite île de Sargasse, là. Hop. Et voilà. C'est vendredi 20 novembre, je crois qu'il est 18 ou 19h TU. Ici c'est au large du Brésil, c'est encore l'après-midi. Et j'ai eu une avarie à bord. Derrière moi, on voit qu'il n'y a plus de balcon arrière. En fait, la poulie d'écoute de mon Genaker a cassé et du coup l'écoute a arraché tout le système de balcon et il n'y a plus rien pour l'instant, plus de balcon, plus de filière, donc c'est un peu compliqué. Je sais pas si je vais pouvoir réparer, comment je vais faire, mais ça va pas être simple. Voilà, c'était trop beau. Allez, courage. Le bilan de la soirée. J'ai réussi à bricoler un système. Pour l'instant, pour remplacer le balcon arrière. En tout cas, ça fera un système d'appoint. Et puis, j'ai dû effectuer une pénalité de 2 heures. Donc, j'ai dû m'arrêter pendant 2 heures sur la route. Parce que le plomb d'argélite de mon moteur s'est cassé pendant la tempête Theta. Et voilà, j'avais cette pénalité à faire ce soir. Voilà, c'est fini pour les ennuis aujourd'hui, j'espère.